Les gars, c'est très important. J'avais presque 20 abonnés. Il y a un moment, mon compteur était affiché à 20. Je me lève ce matin. Je vais voir le compteur d'abo. Il a 12. Ceux qui sont désabonnés, réabonnez-vous. Je vois pas l'intérêt de s'abonner à quelqu'un où 2 secondes après tu vas plus t'abonner. Réfléchissez un peu. Je suis pas là pour vous critiquer, mais s'il vous plaît, réabonnez-vous. Je suis un petit youtubeur, j'essaye de monter en abonnés et tout, je me fais plaisir. Mais si vous vous abonnez pas, si vous vous abonnez et que vous vous désabonnez, je pourrais pas monter. Donc s'il vous plaît, ceux qui sont désabonnés, réabonnez-vous. Et je m'abonnerai à votre chaîne si vous voulez. Mais réabonnez-vous. Bonjour les amis. Vous venez d'entendre la détresse, la grande détresse du petit qui est en train de vivre tout seul dans un désert. Il n'y a personne qui l'écoute. Je vous assure que quand j'ai découvert cette vidéo, j'ai été vraiment tellement triste, ça m'a fait beaucoup de peine que ça m'a fait vraiment arracher des larmes, des yeux, je vous l'assure, ok? Je sais très bien que vous vivez à peu près la même chose, c'est tout le monde est souffrant finalement dans cette histoire d'abonnement sur YouTube, c'est extraordinaire. Quand je me suis intéressé à YouTube, je pensais qu'il y avait surtout des gens bien. Mais il est vraiment, quand on a besoin de quelqu'un qui pour s'abonner à lui et lui qui s'abonne à nous, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méchants. Et malheureusement, c'est lamentable. C'est que ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils font énormément de mal aux autres. C'est vraiment, il y a des gens qui lâchent, des gens qui abandonnent, des gens qui... peut-être qu'ils vont être malheureux toute leur vie à cause de ce geste comme ça, futile, de la part des autres, des méchants. Il faut trouver une solution. Moi, je vous invite à un sanctuaire. Un sanctuaire qu'on vient de créer et qui est ouvert à des gens qui souffrent, des gens qui veulent des abonnés, des gens qui veulent garder leurs abonnés et pour tout le temps. Des gens qui veulent recevoir beaucoup de choses qui les intéressent de la part de leurs abonnés. Ok? Alors, ce sanctuaire, c'est normalement, c'est une communauté de gens qui veulent avoir justement des abonnés sérieux. Cette communauté, elle a une liste. Et cette liste, elle est organisée par rubrique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la communauté, on est bien organisé. Et cette liste, organisée par rubrique, si vous faites du sport, si vous faites de la cuisine, si vous faites de la musique, si vous êtes gamer, enfin tout, vous allez trouver cette rubrique à l'intérieur de la liste. Et la liste, elle ne cesse de s'agrandir. Et c'est grâce à vous qu'on va encore l'agrandir davantage et que ça va être une liste énorme. Bien entendu, quand elle va devenir énorme, moi, je vais créer une espèce de magazine où je vais faire configurer tous les gens sérieux qui veulent quand même avoir des gens sérieux. Ok. Donc, c'est comme ça que nous sommes organisés. Alors, je vous invite à nous rejoindre ici parce que vous n'allez pas le regretter. Surtout que nous publions quotidiennement des contenus de grande valeur pour conseiller aux gens comment il faut faire dans le cas de désabonnement sur YouTube et au-delà. Bien entendu, on est quand même assez nombreux pour conseiller les gens. Si vous êtes là-dedans, si vous demandez un conseil à quelqu'un dans son domaine, bien sûr, il est beaucoup plus apte à vous répondre que moi, par exemple, qui ne suis pas dans le gaming, par exemple. Ok? Donc, joignez-vous à nous. Et vous allez être beaucoup mieux. Tout ça, pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons tous le problème des plafonds, des 1000 abonnés que nous voulons quand même défoncer et passer de l'autre côté. C'est vrai que de l'autre côté, on est beaucoup plus à l'aise que si on est en dessous.
C'est à partir des 1000 abonnés qu'on commence quand même exponentiellement à de grandir de plus en plus, de grandir le nombre de nos abonnés et que nous allons nous sentir beaucoup mieux. Voilà. Alors, moi, qui suis dans le marketing humanitaire, si vous n'avez jamais entendu ça existe. C'est-à-dire que j'ai aucun intérêt, je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas dans l'affiliation, je ne suis nulle part. Ben, j'ai que, bon, à 72 ans, moi, j'ai plus d'ambition de gagner plus d'argent parce que ça ne servira à rien. Je ne vais pas l'emporter avec moi. Alors, joignez-vous à nous et on sera tous, bien entendu, beaucoup plus à l'aise dans notre peau. OK? Alors, cette communauté, normalement, elle a une devise. C'est la communauté des abonnés utiles. C'est-à-dire que je m'abonne et j'apporte du bonheur pour tous mes abonnés, comme eux, ils m'apportent eux aussi du bonheur à moi. OK? Alors, bien entendu, ne traînez pas les pattes parce que vous risquez vous risquez de tomber dans le même cas que le petit qui crie tout seul dans un désert vide, sur une île déserte où personne ne l'écoute. Voilà, merci et à la prochaine.